Alors nous avons isolé les patous, les montagnes des Pyrénées, parce que comme le berger garde dans la colline, les patous attendent au bord de la route les croquettes, mais ils attendent aussi les cyclistes, donc ils courent après les cyclistes. Et ça ne plaît pas aux cyclistes. Donc les gens ne comprennent pas pourquoi les patous sont à l'extérieur du parc, mais on garde à l'extérieur du parc. C'est-à-dire que le parc, c'est juste un parc de nuit. Ça y est, c'est parti. Et là, Mehdi va garder en colline. Comme le doivent les bergers. Les moutons sont pas forcément en parc. Donc là, d'habitude, le berger est derrière, mais je lui ai demandé de passer devant pour la vidéo. Donc le chien, il est un peu perdu. C'est juste pour la vidéo. Donc on a changé les habitudes au chien. Mehdi parle très bien le mouton. Il est à peu près 6h30 du soir et les brebis ont encore chaud. Donc il faut les déchaîner pour qu'elles puissent manger quand même un peu avant la nuit. Et je vais les pousser. Tranquillou. Il est pas tout assiste comme spectateur. Voilà, c'est ça l'environnement. On enferme les patous pour pas qu'ils embêtent les touristes. Et on sera toujours tributaire du loup et des écolos.